Bonjour à tous, c'est Xavier pour une nouvelle vidéo avec Anthony. Salut. Après un long voyage de 5 jours au soleil, nous sommes de retour dans le froid et par chez nous pour la traditionnelle saison d'Halloween que nous faisons chaque année. Et cette année, nous ne commençons pas par Movie Park, mais nous commençons par Hollywood. Enfin, nous avons commencé par Port Aventura officiellement, mais ça c'était un parc hors plus découverte quoi. Donc là, on commence cette année avec Walibi Holland. Donc, deux nouvelles maisons hantées, d'autres qu'on ne fera pas. Parce qu'on nous avons fait une sélection sur les mails cette année. Parce que vous doutez bien que deux fois de suite, au bout d'un moment, on les connaît un peu par cœur. Je prends le cas de Bilo, hein. Pour cette année, on ne refera pas. Le camping des curiosités, on ne le fera pas non plus, parce que c'est une maison extérieure qu'on n'a pas forcément appréciée, tu vois. Mais tout le reste on le fait, dont les nouvelles expériences qui promet d'être fort intéressant. Donc là on va d'abord profiter de la journée, des coasters et tout ça, et puis vers 15h le début des hostilités. Voilà. Tu veux rajouter un mot? Bah non, t'as tout dit. T'as tout dit? Ouais. Eh ben j'ai tout dit. Pardon. Okay. Attends, toi tu m'as fumé de l'extérieur toi en plus. Oui. J'étais en mode qu'est-ce que je fais avec la petite pince moi? Oh, c'est marrant les interactions que j'ai là. Bizarrement tu vois je suis ça je vais le filmer tu vois. Et ouais j'ai bien fait de le filmer. Bah tu me l'enverras. Ouais bah je t'enverrai via TikTok vu que c'est... Voilà. Les deux nouvelles mails sont ici, The Final Sleigh Ride et Urban Explorer. Mais on verra bien au moment venu. Voilà. Là on va aller rider Goliath s'il n'est pas en panne, bien évidemment. Il y a un combat entre deux soldats en face de nous. Qui va finir décapité? Oh,
D'accord. Les pauvres, ils sont par terre. Ils sont posés. Ah. Tada ! C'est bon ! Attaqué par des mules. Donc, ici nous avons le Festival of Freak. Donc jusque 18h c'est considéré comme une zone pour enfants. Et passé 18h c'est une zone un peu plus effrayante. Donc bon, est-ce qu'on a le droit de rentrer? On va explorer, je verrai bien ce que c'est. Là vous avez l'entrée de la Slaughterhouse qui est juste à côté de la zone des enfants. Enfin, voilà. Qui est une messe qu'on fera ce soir. Hein ? Ouais. Une petite messe qu'on fera ce soir, tout simplement. So, jullie zijn helemaal in stijl, Halloween horror. What? Your clothes. Halloween horror. Oh. You like it? Yes. Ah, have fun then. Thank you. Donc là, on a plusieurs personnages qui se baladent dans activité pour les enfants. Vous avez le camping des curiosités.
qui est en version soft le jour et hard la nuit, qu'on ne fera pas cette année. Et là-bas, vous avez deux autres mails qui sont cachés derrière, mais l'entrée est de l'autre côté. Une zone bien décorée. Hein. Et on fait tout le tour. Ah voilà. Donc, vous avez des bars ici, là, à présent. Vous avez un peu de tout. Voilà. Donc là, c'est plus vraiment pour les enfants, mais après, ça change complètement de catégorie. Voilà. Le prochain, tu vois. Les amis, il pleut un petit peu. Bon, c'est pas grave, mais l'ambiance a complètement changé là depuis quelques instants. C'est vrai que là, ouais. À chaque fois dans ce parc, ça nous fait ça. Au début, on fait les cons, ça nous fait. Et vers 15h, voilà quoi. C'est... Les maisons commencent à ouvrir, alors du coup, on est un peu plus calme, on va dire, parce qu'on sait très bien ce qui nous attend derrière. Voilà. Donc, bon. Malgré le monde, on arrive quand même à profiter. Oui. Merci la Single Rider. Moi je dis merci à la Single Rider. Vous êtes deux, vous voyez 100 minutes d'attente, 90 minutes, chose qui est actuellement. Vous privilégiez la Single Rider et vous gagnez un temps monumental. C'est vrai, hein? Ouais, largement. Quand tu regardes, ça fait au moins 20 minutes qu'on est posé là, à attendre un petit peu, à se balader. Non, franchement, ça. Ouais. Il y a du soleil, il pleut, c'est. Voilà. C'est beau. Toute beauté. Bon bah, grâce à notre Rip Pass, nous allons faire The Villa. Voilà. Donc, c'est parti pour faire Villa. Bon les amis, on sort tout juste de Villa. Comment dire, j'ai l'impression qu'elle était un peu plus violente que les années précédentes. Ouais, j'ai l'impression aussi. Clairement, j'ai pris tarif. Toi aussi, t'as eu de beaux screamers quand même. Ouais. Hein, combien de fois t'as gueulé? Hein, oui, quand même, oui. Et moi c'est pareil, j'étais pas très à l'aise à un moment donné, hein. Puis t'avances dans une salle où il y a rien du tout, et puis d'un coup ils sautent de... Et surtout qu'ils sont bien planqués, et tu sais pas d'où c'est qu'ils viennent. C'est ça. Tu les attends à droite, bah ils viennent à gauche quoi, tu vois. Bah et puis même il y a les cadres et tout. Ouais, tu... les cadres. En fait le décor, faut s'en méfier du décor, parce que tout le monde ça saute... Le gars qui est sorti avec le couteau en sortant du cadre là... Et... Ah ouais, j'étais pas prêt là. Ah, tu vois que moi j'étais prêt à quoi que ce soit peut-être. Bon arrière. Tu vois que j'étais prêt à quelque chose moi. Mais non. Donc, c'est la première maïs qu'on a faite. Donc toujours aussi impressionnant à faire. Ouais. Clairement. Voilà, ça m'a bien réveillé pour les autres maïs, mais bon. On va pas trop. Oui, ça sert à rien d'enchaîner, on est là. On va pas trop enchaîner, on va pas trop faire les malins non plus. Voilà. Parce que vu ce qui nous attend après, croyez-moi, il y a encore du lourd. Qui va arriver? Oui, actuellement nous sommes un peu dans les backstage du parc tantôt. Oui. Pour aller faire les deux nouvelles mais ils vont d'abord en faire une et l'autre on la garde pour après. Donc on va aller faire Urban Explorer Aurore en priorité en premier. Ouais. Voilà, en fait c'est la file des bûches, je suis un peu déboué, regarde tu vois. On fait demi-tour. Hein. Donc la maïs se situe dans ce bâtiment là. Il y en a une là et une dans le bâtiment d'à côté. Ces bâtiments, ils sont là que pour cette année.
Et l'année prochaine, ils détruisent tout, sûrement pour le nouveau coaster ou autre chose, je sais pas exactement. Urban Explorer, d'après les petits décors que j'ai vus, ça serait un urbex dans un bâtiment abandonné, avec un casque et une lampe torche sur la tête. Nous serons des explorateurs, Anthony. Ouais. Nous partons en urbex. Ouais. Un urbex qui, à mon avis, tournera un petit peu au fiasco. Hein. J'entends des bruits à côté. Ouais. Ça me plaît pas du tout. Attends, je t'arrête toi. Écoute quand même. Putain. Ça a l'air assez gore. Oh putain, mon cœur est bas mille à l'heure. On écoute des bruits qui sortent de là, mais on commence à être un peu comme ça là, hein. Bon. Même là, l'ambiance à côté, c'est incroyable. Là, regardez, vous avez la file d'attente, vous avez des petits décors aussi là, que je vous montre également. Mais je vous avoue, je suis moins en moins serein. Hein. Je ne perdrai pas mes couilles, on fera quand même la maïs, mais j'ai peur. Je vous cache pas les gens, j'ai peur. Je vous dis clairement. Est-ce que t'as peur aussi? Dis-le, avoue-le, t'as un peu peur quand même. C'est vrai que ça commence à monter quand même. Moi aussi c'est pareil. On va le faire quand même. Mais on est là pour ça, pour un dérivé naturel. Bon. Et là vous avez une vue sur le launch de Goliath. Enfin le lift. Le lift, pardon. Ça, c'est la sortie de Final Slide Ride qu'on fera ce soir. Donc on se retrouve juste après. Ouais. On les retrouve juste après pour voir dans quelle réaction, dans quel état on arrive. Ouais, bah oui, ouais. Voilà, let's go, c'est parti. Bon, on sort de Urban Explorer, donc on a une lampe. On est 4 personnes, donc une lampe pour deux. J'ai les cheveux trempés parce que j'ai pris une facette d'eau. Franchement, l'expérience, c'est intéressant. Franchement, ouais. À un moment donné, j'ai pété un câble tout seul. Et encore pour toi, ça devait vraiment être pire en étant devant, quoi. Oui, mais gros, surtout dans la forêt. Ouais. Je voyais rien du tout et la lampe elle galérait. Toi, ça va, t'étais derrière moi donc ouais, ça allait. Bah, ouais. Ça allait. Mais à un moment donné, on se prend enfin dans des pièces et tout. C'est vrai que ouais, la pièce, on est derrière 4 tirés. Et il y avait quelqu'un qui était, un gars qui était caché. Même la scène des toilettes là, je me suis pris tout l'eau dans la gueule. Ouais. Et pas qu'un petit peu. Ouais, bah oui, quand même. Ah, franchement, tout ce que j'ai mangé. Puis le fait d'avoir une lampe qui déconne et tout ça, c'est bien. Hein. Ouais, ça oui. Franchement, c'est fort intéressant. Donc on est dans les backstage du parc. D'ailleurs, on voit encore des anciens trains de d'El Condor. Ouais. C'est dans certains d'El Condor qu'on voit. C'est marrant. Et non, franchement, c'est une bonne maze. C'est dommage qu'elle reste là que pour un an. Mais franchement, c'est une bonne maze. Bon là on va continuer l'aventure, on va certainement aller faire une autre maze, genre psychoshock ou un truc comme ça. Ouais. Avant d'aller à la Slaughterhouse. Ouais. Hein, et faire un petit rock entre deux je pense. Ouais. Bon là on profite tranquillement. Tout ce que je peux dire, c'est qu'Anthony a peur d'aller devant dans les mazes. Après là la lampe tu la voulais donc c'est... Ouais je voulais la lampe absolument. Mais je crois que t'aurais pas fait le malin devant. Et c'est vrai que oui. Je pense que t'étais bien content de me laisser la lampe à un moment donné. Avoue-le. Dans un sens, oui. Et dans un sens, j'aurais encore plus kiffé, je l'aurais eu quand même. Ouais, bah c'est tout. À une prochaine. Ouais, bah oui. Allez, on continue l'aventure. Normalement, vers 18h, l'escarzone change d'ambiance. Et ça, on va vous le montrer bien évidemment. Changement d'ambiance les gens. Les nouveaux acteurs ils sont là. Ils sont un peu plus violents. Thank you.
Paris. Ça y est, ça commence. Voici l'annonce qui passe quand c'est le moment fatidique. Ça y est, l'ambiance est complètement changée d'un coup là. Totalement, oui. C'est ça que j'adore ici, c'est que d'un coup ça part en couille. Ça part en couille en deux secondes là. Ouais. Les Oscar Zone maintenant, voir ce que ça donne. Ouais. C'est pas toi, c'est moi. Ok, je m'en vais. Je vous laisse tranquille, monsieur. Je m'en vais. D'accord. Il est pas content. Ils sont un petit peu aigris. Mathilde, nous fait une petite danse. Tout va bien. Là pour la zone Circus of Freak. Donc il y a une maze qui campe une curiosité qu'on ne fera pas parce que c'est une maze dehors qui fait pas spécialement très peur. Donc voilà. Donc là on va aller faire une maze qui est Jefferson Manor. Voilà. On vient de faire Jefferson Manor. Alors on a mis Anthony devant pour voir. Il sait pas se repérer.
Ouais, et du coup, moi, en fait, il y a un endroit où je voulais y aller tout gros. Et non. Alors que c'était à gauche. Et putain, il y a le gars. Tu t'es bouffé un acteur en pleine face. J'ai pas eu mal parler en pleine gueule, quoi. À un moment donné, moi, j'ai hurlé. Anthony, il avance, mais en fait, le cadre, enfin, c'est pas un cadre, c'est un carré bizarre. Ouais, tu t'es pris toi en fait. Ah, je me suis pris, j'ai chié. Ouais, ils sont vachement, c'est bien surprenant, hein. Ouais, bah oui, ouais. Non, franchement, j'aime beaucoup les mages ici parce qu'ils jouent beaucoup avec les scarboutons, on va dire ça comme ça, hein. Ou tout simplement, ils appuient sur le bouton, t'as un gros son, une grosse lumière d'un coup, et plus la personne qui jump sur toi, ça fait vraiment une expérience intéressante, franchement. T'as vu dans les planches un petit trou, je sais pas, je me prends un... Pourquoi on trace en fait Et je me prends un coup de vent dans la gueule avec des lumières, je sais pas. Et il a eu peur de ça. Ouais, mais j'ai fait. Oui, bah c'était pour. Ça arrive. Ouais. Quand t'es dans le noir et tout devant, tu sais pas quoi t'attendre. Hein. Ouais, bah oui. C'est différent. Bon, Anthony. Oui. Il est l'heure de. D'aller à l'abattoir. Oui, ça c'est. On va mourir à l'abattoir et après on finira à la clinique pour être réanimé. En vrai, ça colle bien le thème de tout à l'heure. C'est vrai. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Donc, ouais. It's not Facebook, it's YouTube. Voilà. Le seul personnage de la clinique que vous verrez, c'est lui. Il a un personnage qui lui correspond plutôt bien, je trouve. Il vient et t'accueille, et après c'est démerde-toi. Voilà mon poulet, c'est débrouille-toi après. Après vous t'enterrez. Voilà. Bon. Vous allez voir, quand on va sortir de Slaughterhouse, il y aura une petite surprise. C'est tout ce que je peux dire. Voilà. Et vous aurez... Enfin, nos voix, ça sert un petit peu à rien, je vais pas vous mentir. Donc voilà. Donc après, vous rassurez-vous, vous aurez toutes les scare zones. Là, on enchaîne pas mal de maisons hantées, mais après, rassurez-vous. On va filmer pas mal de scare zones, les autres ont changé aussi. Là on a vu Pirate Cove, Circus of Freak aussi. Là on va aller voir toutes les autres scare zones aussi. Bon bien sûr, on fera un random time de nuit. Oui, bah voilà un petit random time quand même, un RMC bien bouillant. Ça fait pas de mal, voilà. Donc vous allez là dans ce bâtiment. C'est plus la scare zone des enfants de tout à l'heure, hein. Là, c'est différent. Ah, bah, va nous revoir. Je crois qu'il m'a tapé le lit à côté.
alors c'est parti. Bon les gens, regardez-moi, c'est magnifique. Moi je l'ai eu là. Oui. Anthony, oui, il est en plein milieu du front. Oui. On vient de faire Slaughter House. Nous puons le bacon. On était un morceau de viande. On était littéralement un morceau de viande. Ouh. Qu'on passait par l'abattoir. Voilà. Et à la cuisson à la fin. La cuisson aussi, ouais. Ouais. Il y a quand même des beaux screamers mine de rien. Ouais si ouais. Et à la fin c'est oppressant quand même à la fin. Ouais si ouais. On court dans les conditions, on vite vite vite, go go go, va, ouais, va ouais. Cours cours. Ah c'est juste incroyable, moi j'aime bien cette maze hein. J'ai quand même pas mal ouais. Le concept est pas mal. Et moi au début j'avais pas compris, c'était quand même magie, donc du coup je donne mon sac, je m'assois. Et je sais pas, ils me disent stupide viande de merde, une espèce de trou du cul va. Voilà, je me suis fait insulter. Et après bah. En tout cas c'est pas faux. Hein? Il est pas beau. Je t'emmerde. Voilà. Donc, une maze que j'apprécie. Elle fait pas particulièrement peur. Je la trouve plutôt marrante aussi. Ouais, moi j'aime bien. Le concept est pas mal. Par contre, là, clairement, ce qu'on va faire après, c'est moins marrant. C'est beaucoup plus effrayant. 9h45, c'est ça? Oui, et il est? C'est 9h05. D'accord. Donc, c'est juste là qu'on va aller, juste après. Là-bas, j'ai pas eu. Bon, là, le changement dans la Scare Zone, et c'est bien parce que les personnages peuvent au moins évoluer un peu plus et permettre de jouer un peu. Anthony, il est temps. Oui. On a quand même survécu à l'abattoir, on s'est échappé du boucher. Maintenant, bah, on va pas survivre à une opération. On va passer sur la table opératoire, malheureusement, nous avons des problèmes de santé. Ah, ouais. Nous avons tous les deux l'appendicite, très tard. On va se repérer, mais on sait pas si on va survivre. Ouais. Voilà. Bon, plus sérieusement, je me chie dessus. Faut dire ce qui est. Oui, c'est vrai que celle-là. C'est ça qui a une odeur bizarre depuis tout à l'heure. Je vais après. Non mais parce qu'on se chie dessus tu vois. Oui j'ai compris le. Alors, jeu de mots, je plaisante mais évidemment. Mon caleçon est très propre. Il s'en sait pas. Ouais ça va c'est bon. C'est quoi cette discussion chelou là? Oh.
Donc on va aller. Il faut rigoler pour évacuer le stress. Ouais, on est vraiment en train de stresser quand même. C'est vrai que celle-là. Elle est quand même costaud, hein. Il y a des. Bah, vive ta mort, voilà, c'est. Ouais, et voilà. Et c'est tellement bien fait que t'as l'impression que c'est réel, quoi. Bah, c'est ça, et moi, ce qui s'est passé l'année dernière, c'est que mon cerveau, il est complètement pété un plomb. Ah. Et là, bon, bah. Tu verras si je sors avec les larmes aux yeux ou si tu me vois tout paniquer. Ouais. Parce que cette fois-ci, tu vas passer en premier. Ouais. Et moi, je serai derrière. Enfin, derrière, oui et non. Sans... Ouais, on peut rien faire, on est attaché. On subit ce qui se passe. C'est comme l'abattoir, on subit. T'es là en mode, bon, bah, ok, t'es attaché et tu subis. Voilà. Bon, bah, allez. Ouais. Bah, non. Moi non plus, mais y a pas le choix. La seule chose que vous verrez de la clinique, c'est ça. On ne verra pas plus. C'est parti. Bon. Bon, on sort de la clinique. Ouais. Quand tu bloques le passage, Anto. Donc, on sort de la clinique. On a un peu plus apprécié quand même les décors. Même si il y a certains moments j'étais vraiment pas très bien non plus. J'ai commencé à faire une petite crise de panique au début, je vous avouerai. J'avoue que ouais, le moment de l'opération. Voilà quoi. Alors c'était un petit peu avant et après pendant l'opération, je voyais ma tête dans le reflet, tu vois. Ouais, ouais. Et après fini quoi. Et après Non, ça reste tout de même quand même une expérience assez intéressante à faire. Oui. Voilà, je. J'ai pas les mots quoi, c'est. Ça reste très immersif, très. Ouais, c'est vrai que c'est. Très impressionnant à faire. Non, franchement, j'ai bien aimé quoi. Je suis pas bien aimé. Bon, on va continuer l'aventure. De retour après. Le clinique retourne dans la zone pirate Cove. Envie de boissons, de burgers, des machins, de kebab. Vous avez ce qu'il faut pour vous restaurer. En plus des restaurants du parc, vous avez des trucs comme ça quoi. Voilà.
C'est parti pour l'avant-dernière mésentée. Psycho Choc. Voilà. Let's go. Allons chez les fous, hein. Ah bah c'est ici alors qu'il faut qu'on y aille. Hello. Hartelijk welkom. English? It's Minnie Ruffles. Ah. It's your friend. What? It's your friend. Who? It's your friend. Friend? No, it's a boy. Oh. For now. Okay. You wanna pet it? Don't do that, Mr. Ruffles! Sorry, it's not usual. We like that. Okay. You ready? Yes. À partir d'ici les gens, je coupe. On sort de Psycho Choc. Si tu veux. Elle est toujours aussi bien à faire hein, comme si. Elle est surprenante quand même hein. Ouais, ça rend bien. Au revoir. Ah non mais elle se reprend toujours autant, c'est. Même moi, pourtant on l'a déjà fait, chaque année on l'a fait et. Elle est surprenante. Elle arrive quand même encore à surprendre en fait. Il y a tellement de beaux screamers. Et j'aime bien la technologie qu'ils utilisent ici quand même. Ouais, c'est vrai. Si t'as remarqué, les acteurs ils ont pas mal de boutons cachés, tu vois. Ouais, bah oui, ouais. Ils appuient, qu'ils déclenchent les éléments, c'est incroyable. Tout comme le coaster qu'on avait retourné là à l'instant à côté. On ira faire après, bien évidemment. Pour terminer la soirée. Hein. Voilà. Donc, bah là c'est parti pour la dernière maison hantée. Voilà. Là vous aurez mon audio. Bien évidemment. Donc, ça s'appelle The Final Sleigh Ride. Donc on va bien essayer. Et on va voir ce que ça donne quoi. Bon viens. Urban Explorer, ouais, écrit en grand là-bas, dans un bâtiment à l'abandon. C'est bien qu'ils exploitent les vieux bâtiments comme ça pour en faire des maisons hantées. Voilà. Donc je sais plus ce que je disais en vlog. The Final. Bon, on va reprendre hein. Donc on a fait bah, les deux nouvelles hein. Celle-là qui reste ma préférée avec la lampe torche, auquel on a plus ou moins un truc à abandonner. Là ici, The Final Sleigh Ride est une maze plutôt jolie, mais avec de très beaux screamers aussi. Ouais, ça oui. Alors, Anto. Ouais, très belle et voilà quoi. T'as pas l'air très conquis par celle-ci. Bah si, j'adore niveau beauté en fait. Ouais. Après, ouais, bah après c'est toi qui as plus pris dans celle-là. Bah ouais, c'est bah ça qui fait le truc en fait. J'étais au premier rang donc forcément que. Est-ce que t'aurais été devant comme moi? Moi j'aurais plus filmé. Voilà. Non, on prend, quand on est tout devant, on prend quand même tarif. Mais sinon aussi, je l'ai adoré la salle où il y avait les dizaines de sapins et tout. Ouais, c'était beau. C'était magnifique quoi, les couloirs et tout. Avec ouais, les c'est bizarre. Papa enfin, Noël, je l'aime plus, il était méchant avec moi. Il m'a fait très peur. Du coup, tu vas plus dire ça, tu vas aussi dire ça dans deux mois. Je sais pas. Ralentis un petit peu. Donc on a fait la totalité des mazes. En fait on va peut-être passer de l'autre côté quand même. Parce que là-bas il n'y a plus grand chose. Donc on a fait toutes les mazes, voilà. Franchement ici je suis pas déçu, les expériences, bon je vous cache pas que c'est un certain budget. Clairement on va pas se mentir. Ouais. Chaque année ça augmente un petit peu. Mais bon, c'est une expérience qui en vaut la peine. J'espère que dans les années futures, ça va continuer à se développer. Je pense bien que oui. Voilà. J'espère que les prix vont pas non plus exploser. Je voudrais que ça reste. Voilà. Non, en soi, niveau maze et aussi au niveau Scare Zone, ça a bien changé. Notamment Nightmare qui a bien changé. Dans la zone Speed Zone, sur les jeux vidéo, elle n'existe plus. Mais. Il y en a une autre qui est ouverte, Freedom Time.
Non, franchement c'est pas mal. J'ai bien aimé tout ça. Et bon là on est sur un week-end où ce dimanche il n'y a pas tant de monde que ça le soir. C'est correct. C'est correct. Bon après il faut combiner le rip pass avec les expériences, les trancheurs vers les mails, tout bien combiné. Non, on a bien géré ça, cette année. Bon, le seul truc qui est un peu chiant, c'est dans Slaughter House, tu piles bacon après l'avoir fait. Et d'ailleurs, je le sens encore. Un peu moins, mais je le sens encore et c'est pas très agréable. Bon, après, ça fait partie de l'expérience, mais voilà quoi. Et regardez, vous pouvez voir des personnages de Final Slayer Ride qui est juste là, avec un bonnet de Père Noël. Juste là. Voilà. Voilà. Voilà, voilà. Bon. Tu veux dire rajouter un petit mot toi là-bas? Bah on a tout dit quoi. Voilà. Bon après. Après ce qui est bien c'est que la journée s'est adaptée pour les enfants, donc quand même des acteurs. De l'interaction aussi, qu'on a pu avoir. Ouais, ça oui, ouais. Pas mal d'interactions. Non, franchement, ça fait une bonne petite journée. On a su profiter des rails, même malgré le monde, faut dire ce qui est. Ouais, nous, en fait, comme on est que deux, on a profité des single riders. C'est le bon plan. Single rider, vous choisissez peut-être pas votre place, mais on a quand même des bons rangs. Ouais, ça. Voilà, vous remplissez les trous, tout simplement. Et puis voilà, quoi. Après, niveau des mails, bah, clinique. Ça reste quand même une bonne expérience. Ouais, ça oui, ouais. Voilà. Yeah. Bon. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. Hein, je sais très bien que je ne suis pas filmé à l'intérieur des maisons hantées. Sinon, je l'aurais fait et je vous aurais fait découvrir tout ça. Mais malheureusement, nous n'avons pas le droit. Donc, nous respectons les règles, plus ou moins. Ouais. Parce que j'ai capté quand même l'audio avec un micro. Donc, j'espère que mes réactions vous aura bien fait rire. Parce que malgré, quand tu regardes, dans les deux seuls où j'ai enregistré mes voix, dans la première, je pète un câble parce que maintenant on pas le déconne. Ouais. Et dans celle-là, je pète un câble parce que pardon, il m'a fait peur. Ouais, bah oui, ouais. Voilà. Et là, actuellement, il y a un homme buisson caché quelque part. Alors, je sais pas où est-ce qu'il est, mais il est caché quelque part. Donc, Anthony, attention à toi. À tout moment, tu vas te prendre un buisson sauvage. Je sais pas où est-ce qu'il est. Eh bah, putain, voilà. Je m'en doutais en pleine vidéo. Je m'en doutais aussi. Le beau karma que tu viens de te manger, ça fait quoi se prendre un buisson? Raconte-moi ton expérience, cette fin de vlog là, magnifique. Ça fait saisir. Et moi ça me fait zizir. Ouais, oh, attends, il est de côté. Hey, moi oui. Bah je sais où est-ce qu'il est caché, donc ça va. J'aurais pas spécialement très peur. Oui, c'est possible que tu te prennes de l'autre côté, tu vois. Donc bon, voilà quoi. Salut. Ouais, je l'ai spotted alors, du coup il est pas venu. Voilà. Voilà, voilà. Bon, cette fois-ci, on vous laisse les gens. Oui. Sur ça. Ah oui, d'autres choses à rajouter. Encore une chose à rajouter, je rajoute beaucoup de choses. Il y a des scènes de concert, il y en a deux maintenant. Oui. À l'entrée principale et un autre près d'El Condor. Et ça, c'est sympa. Et trois, pardon. La Silent Disco qui est près de la Speed of Sound. Donc vous avez quand même pas mal d'animations. Il y a quand même pas mal de bars, de quoi se restaurer, de quoi manger. Vous avez tout ce qu'il faut à des prix plus ou moins abordables. En vrai, ici, les prix, ça reste abordable. Ouais. Vous pouvez avoir un petit menu avec une frite et un petit snack pour 5 euros. Et une boisson pour plus ou moins 3 euros, j'ai pu voir sur les bornes, enfin sur les pancartes. Donc ça reste, bon, les prix d'un parc, bien évidemment, mais ça reste plutôt raisonnable comparé à d'autres parcs qu'on a pu voir précédemment, sans citer d'autres parcs, bien évidemment. Ouais. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse pour de bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement pour un tout nouveau vlog d'Halloween. Sur ce, portez-vous bien, salut tout le monde. Salut. Oh, c'est pas sûr, c'est pas ma gueule. Ah. Oh. Qu'est-ce que c'est, bordel?
prendre rendez-vous à Fontaine d'Entrée. On va vous reprendre 2 minutes les gens, faut qu'on vous dise un truc. Déjà regardez-moi ça derrière moi là. C'est vraiment magnifique. C'est quoi ce face à face que tu fais avec des monstres là? En fait à la fin, quand le parc il ferme, t'as un petit final près de l'entrée. Et littéralement, Anthony m'a vu partir devant le tous les monstres d'un coup et il y a eu un face à face incroyable. Ouais. Ah franchement c'était improbable. Et... bah les acteurs étaient tous en... Tous mélangés. De tous les Scarzans et tout. Voilà c'est juste incroyable. Moi franchement... J'ai adoré. Franchement j'ai adoré. J'ai que ça qu'à dire. Voilà. C'était juste une petite parenthèse. Voilà. Et d'avoir un final comme ça, ça rajoute. C'est vraiment un bon point en plus. Ouais. Un très bon point, parce que c'est vrai que l'année dernière on n'avait pas fait attention à ça. Ouais. On devrait faire attention de plus en plus parce que là franchement, d'avoir quoi, tant que tout le monde part, bah ça fait une animation en plus quoi. Ouais, bah, voilà. Allez, ciao. Salut.